Oula! Attends, mais c'est Targamas qui te dit au cul avec quelqu'un, ça? Il y a contre Targa, un mec qui s'appelle GS Focus, je sais pas qui c'est. J'imagine que c'est Flakel. Écoutez, on va jouer contre Targamas qui revient de Corée, on va voir. Hein. J'ai vu double 4 diamants, donc je pense que c'est son duo. Samira était un. Oui, mais tout comme Targa. Je pense qu'ils se morfent ensemble. Il voit, je pense pas qu'on gagne, Samira, elle nous extermine. Et bien il m'a chié dessus. Là c'est pas si c'est chargé à balle l'autre là. Attention à flasher. T'es à peu près sûr. Il y a une noire d'ici en fait, c'est pour ça que je me suis fait un peu plus chier dessus que lui. Putain, je peux spray son cul, je pars ici. Il a plus de potions, j'en ai plus non plus, mais je suis plus sain que lui. Chiant ça. Je serais back bien en vision pour que Talon l'aide et qu'il dive et qu'il meurt tous. Qu'il n'y en a aucun qui meurt en face parce qu'ils sont trop forts. Je pensais justement qu'ils allaient dive avec Talon et leur pisser dessus, mais. Ah, j'ai pas d'eux, putain, je viens de capter. Je viens de capter que j'étais pas niveau 3. Je voulais eux là et qu'ils meurent de l'ignite et que je me casse. On va se faire snowball hard, c'est trop dur de tenir contre Renata et Samira devant. Je vais faire genre que je vais poser une ward pour qu'il pink et que je la reprenne après. Il a sa pink là-dedans, il la défend. Je vais prendre sa pink, je vais voir de là. Nice. Ah, j'ai écouté Chabot. Tiens, c'était cool les vieux comics. Ils nous aiment trop. Hein. C'est trop les couilles Patrick. Ok, on l'a bien montré. T'as pas une qui se fait déchirer, ça va être compliqué. On va aller reprendre la pink au calme. Faut carrément les tuer au bot. Hein. Profite pas. Juste faire en sorte qu'ils viennent vers moi au max. Et que du coup ils fightent pas là et que ça soit bien pour nous. Dommage que le Talon jump out. Ouais, elle pourra rien faire je pense. Elle a un ulti. Ah, un ulti en vrai. Si elle va t'attaque plutôt. On le heal. Sure. Alors du fight hein. Je pense qu'elle avait un timing pour fight quand il n'y avait pas encore le CD. Et... Bon, ça sort très bien.
Leur Viego il est en train de pas farmer donc. Donc bon. Il meurt, mais je fais que non. J'arrête la ulti. J'ai raté leur piste dessus. On peut en voir avoir un peu de prix au bot. Après, il y a ça donc. Je pense qu'on a le temps de push, faut qu'on se casse après. On peut pas fight. Hein. On peut et on ne veut pas fight. Je pense pas qu'on gagne à ça. Nice. Si on joue pas bien, on aurait peut-être pu se faire turn, ça va vraiment bien jouer. Ils ont eu aucune chance avec stun plus ulti. Ça va donner un peu d'air à Kessa. Heureusement qu'on a un main jungle qui gap quand même. Après, il gap aussi parce que il nous a collé le cul. Le Viego a un point assez, assez détestable. Trop trop mal, il met 4 levels dans un jeu. Il faut revenir là, je pense. Ils sont vraiment trop devant. Il le déchire ? Il a quoi ? Il est encore. Il va la déchirer. Attention, bump, attention, bump, attention, bump. Très mal joué. Si je le tue plus tôt, c'est un pop. Je voulais qu'elle vienne et j'assassine ce tour. Objet de flash, fait les dégâts qu'une tourelle peut mettre. Ok, c'est vraiment pas mal. Je comprends les T2 maintenant et qu'on finisse cette game. On fait tank tranquille. Bon, faut qu'on mette un terme à cette game là, faut qu'on fasse un H et GG à tous là. Ça fait pas. Pourquoi n'FF-t-il pas cette partie de LOL qui est maintenant free win pour nous?
Oui, il y a 3 ultis en moins, mais le tutoriel est le plus important, je pense, à tous. Il affiche comment lui? Putain, il voulait pas envoyer le cube. Je voulais qu'il envoie le cube. Dans le pire des cas, je le flashais, mais je voulais le dodge.